Bonjour, bonjour la team, bonjour à tous les parieurs du monde. J'espère que vous vous portez super bien. Alors, je me porte super bien. Nouvelle vidéo, nouvelle opportunité. Dans cette vidéo, je te présente, n'est-ce pas, plus de 4 jolis pronostics analysés à 100% où on se fera plus de 15 millions de francs CFA en cas de gain. Alors la team, sans plus tarder, je vais vous présenter les pronostics combinés de la journée d'aujourd'hui. Mais avant tout, laissez-moi un gros pouce bleu pour encourager le travail que KGM Prono effectue tous les jours pour vous. Laissez-moi un gros pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider d'autres personnes à profiter gratuitement de mon expérience dans les paris sportifs. En ce qui concerne le premier pronostic combiné d'aujourd'hui, je vous ai réservé, n'est-ce pas, une cote de 2,35 où j'ai placé personnellement plus de 2 500 000 francs. En cas de gain, je veux me faire plus de 5 878 000 francs. J'ai pris un X de Crystal Palace face à Wolverhampton, un X de Australia Vienne face à Austria. J'ai également pris plus de 1,5 but dans le match de Red Bull face à Rapid Vienne et un X de Gans face à Anderlecht. Chers amis parieurs, en cas de gain, je vais gagner plus de 5 878 000 francs. En ce qui concerne notre deuxième pronostic combiné de la journée d'aujourd'hui, je vous ai réservé, n'est-ce pas, une cote à 3,15. Alors la team, laissez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Encouragez-moi avec un gros pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de me laisser un commentaire d'appréciation et toutes vos difficultés que vous rencontrez sur OneSbet. Je ferai le plaisir de répondre à tous vos commentaires. Alors, en ce qui concerne notre deuxième pronostic, j'ai pris, n'est-ce pas, moins de 3 hors-jeu dans le match de Chalario face à Saint-Trudens. À la première mi-temps, j'ai également pris moins de 2 cartons jaunes et demi dans le match de Kalagatoise face à Club Brugge et également la victoire à sec de Copenhague face à Viborg. J'ai également pris plus de 1 but et demi dans le match de Brown Beach face à Rande. C'est les championnat, n'est-ce pas, de Belgique. En ce qui concerne notre troisième pronostic combiné de la journée d'aujourd'hui, chers amis parieurs, je vous ai réservé, n'est-ce pas, une cote de 3,003. La team, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et tous ceux qui veulent me rejoindre sur Telegram, le lien de mon canal Telegram est en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Si tu ne retrouves pas le lien de mon Telegram en premier commentaire épinglé de la vidéo, je t'invite tout simplement à aller sur Telegram, taper sur la barre de recherche KGM Prono, tu verras, n'est-ce pas, le symbole de KGM Prono. Rejoins directement le canal Telegram. Je donne tout gratuitement là-bas. Tu auras l'opportunité de profiter gratuitement de mon expérience, de mes astuces et de mes pronostics que je donne tous les jours dans mon canal Telegram. Et n'oublie pas également de partager la vidéo parce que beaucoup vont en profiter gratuitement. En ce qui concerne notre troisième pronostic, une cote à 3,003 où j'ai placé 140 000 francs. En cas de gain, je me fais 420 000 francs. J'ai joué pas de but à la 86, de la 86e à la 90e minute dans le match de Midtjylland face à AGF Arthur. J'ai également pris la victoire à sec de Ajax face à Fortuna Sittard. J'ai également pris moins de 3 hors-jeu à la première mi-temps dans le match de Vitesse face à Akama et moins de 5 tirs cadrés et demi à la première mi-temps dans le match de Volendam face à Tuite. Chers amis parieurs, en ce qui concerne notre quatrième et dernier pronostic combiné de la journée d'aujourd'hui, je vous ai réservé, n'est-ce pas, une cote à 6,61. Ne vous inquiétez pas pour les codes des coupons. Tous les codes des coupons sont, n'est-ce pas, en premier commentaire et en description de cette vidéo et également dans le canal Telegram. Je vais donner tout ça là-bas. J'ai également pris la victoire de Portugal face à Oaka, la victoire à sec des Espagnols face à SD Amori Beita. J'ai également pris plus de 1,5 but dans le match de Rasenball Leipzig face à Union Berlin et 1 but de Empoli face à Juventus et la victoire à sec de Inter de Milan face à Florentina. La team, c'était tout pour les pronostics combinés de l'aujourd'hui. N'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je donne comme ça des stratégies qui marchent à 100% sur OneSbet. Je vais donner ces stratégies après cette vidéo. Donc, abonne-toi pour en profiter comme ça gratuitement.